prière de Esther. Je prie maintenant, Seigneur. I pray right now. Stones to worship. Les pièces sont les enfants. Those stones are children. Nous avons écouté le message. We have heard the message de Noé. Of Noah. Le message de repentance. The message of repentance. D'entrer dans le bateau de Noé. Going to the bread. I'm eating the bread. You can say, Lord. Madame Abdona Béatrice, parce que un message qui m'a envoyé un message. Je vais un message à Karima Kamundamu à l'Obi. À l'Obi, que le troisième pouvoir ou quatrième pouvoir est le pouvoir des bannes. Ça, c'est vrai. Dans un message d'Abisso, je crois que mon cadet s'est venu, tu peux citer un message en 78 Tokoloba. À l'époque, à Mobutu, tout le temps, la province, parce que nous sommes au Congo, nous savons que. Au Congo, on ne peut diriger beaucoup le Congo. Nous tournons surtout. Avant, on a tout le monde bon, on a dirigé Congo. Il ne peut diriger le Congo. Mais Congo, c'est un mystère. Congo, il y a une couronne à Gibanga, à Capernaum, à Israël. Il y a une décision de garder le Congo. Congo, il y a une couronne à Zambé, à Isaïe 18, au-delà de l'Éthiopie, il peut par le fleuve. Il peut prendre la porte aux francs dans tant d'affaires. Maninga, Congo, c'est un mystère. Ça s'est fait pour diriger. Il faut raisonner. Il faut, sinon, on compte dans Nzambe, la chemin pour diriger politiquement le Congo. Vraiment que Dieu accomplisse ses paroles. Bien-aimé, Tangwe et Koki, le temps est accompli. Mbokana Congo, ils ont besoin de Basel et Nzambe, il y a Trump, il y a Jean-Baptiste. La RDC actuellement a besoin des hommes de Dieu à la Trump de Jean-Baptiste. Ceux qui vont citer le péché au nom du péché. Mbokana Congo, ils en ont besoin. Y a ma Nathan. La RDC a besoin de Nathan. Obalobi le soumou ya roi. Ceux qui annoncent, qui prononcent le péché du roi. Mbokana Congo. La RDC. Ils en ont besoin de Bassakoli, na Trump et Pierre et Jean. A besoin de prédicateurs à la trempe de Pierre et Jean. Toto salut, Toto Sanzambe. Nous allons obéir à l'homme ou obéir à Dieu. On a ni une naïveté un modèle. Pourquoi cette façon de vivre ainsi? Dieu a donné des multiples promesses. Mais nous sommes en train de les entretuer. Pourquoi? Slogan, il n'y a qu'un seul slogan, souffrance sur souffrance. Qui cherche, qui cherche. Qui cherche, qui cherche. Mais nous avons Dieu. Pourquoi Dieu ne peut-il pas nous répondre? Si vous avez des oreilles, est-ce que Dieu ne peut-il pas entendre? Peuple congolais. Pourquoi cette façon de vivre?
Quand j'ai reçu le message à Londres pour descendre ici au pays et faire le travail au stade Kamanyola, Dieu m'avait dit ceci. Va à Kinshasa, j'aurai à dire au travers de toi. Ne crains point, je serai ta bouche. Je pose la question. Cherchons la solution de Dieu. Que notre pays soit réunifié, peuple congolais. Que les politiciens redeviennent un. Sortons de l'hypocrisie. Parlons-nous ouvertement. Que les chrétiens soient sauvés. La Bible dit ceci. 12 pierres. C'est ce qui a bâti l'autel. Ça signifie diversité. La diversité des dons. Bâtissons ensemble. Un grand pays puissant. Qui a des richesses formidables. Nous serons fiers, nous allons nous réjouir. Tous ces gens n'aiment pas notre bonheur. C'est Dieu qui le veut. Et vous le voulez aussi. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous êtes ce que Dieu pense que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu pense que vous êtes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon anniversaire.
cause d'une maladie, la cause sickness, de stérilité dans ta vie, powerless, des maladies psychosomatiques dans ta vie, psychosomatic diseases. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus of Nazareth, je commande maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, que toute puissance, tout esprit démoniaque, every satanic power, que toute maladie, every sickness, il est écrit, il dit, oui, tu as mené toute maladie sur la parole de notre âme. And you took all the sickness of Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, je commande maintenant. We have the minister who has come to pay us a visit. Ça veut dire la religion. That means religion. Et le gouvernement doit toujours travailler pour collaborer ensemble pour le bien-être de la société. Religion and the government must work together for the well-being of the society, including the children. Nous allons nous mettre debout pour une minute de silence, s'il vous plaît, avant de terminer. Can we stand up for just 1 minute of silence before I can finish? Pour les enfants. For the children qui sont morts ici en Angleterre, that have passed away or have died here in the United Kingdom, qui sont morts en Afrique, they died in Africa. Les enfants qui souffrent, misérables, the children who are miserable, they are suffering. Les enfants violés par les guerres qui ne cessent pas en Afrique, and those kids that are being violated and in Africa due to war. Nous allons rester une distance. We're just going to remain calm, quiet for a minute, just to remember. Pour ces enfants. Pour l'enfant qui vient d'être enlevé au Portugal, et bon, c'est pas cet enfant aussi. Let's also try to think about a child, the child Madeleine, who has been taken away from her parents. Ça, c'est le livre que beaucoup de gens qui ont gouverné le monde. This is a book by which many countries, many governments have led the world. L'Angleterre. Especially England. Les noms de l'Angleterre ont été fondés sur la parole de Dieu. You know, the England was founded based upon the word of God. Les rois, les empereurs qui ont gouverné les ministres. Kings, emperors, ministers who govern this country. Partout dans le monde. Everywhere in the world. Cette Bible. It's this book, the Bible. Le cadeau que nous vous offrons. You know, this is a gift that we are giving to you. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We Oh, you reign, you reign.
Congo. The work that I'm doing for things concerning Congo. Ça fait 35 ans que papa n'a pas sorti le bas. As Father Jean Guy just said, I've been doing it for 35 years. I've been speaking about things concerning Congo day and night. We prepare this event today with others. We call the music artists to come and perform today. We've even called doctors to be here with us. Historians within the Congolese community to explain to us in short terms our history, the history of Congo. For our children that are being born here do not actually understand the history of Congo. That's what the law says. But today, it's going to come. Not today. Not today. The day all Congolese what's been written in the laws, it will now be put into practice the day we all become united as Congolese. And the people that are bringing the atrocities will be condemned. May God bless you.